Dans le monde du jeu vidéo, il arrive que parfois, certains jeux soient reportés, par manque de temps ou par besoin d'en rajouter sur le jeu, ou alors de le rendre plus stable et sans trop de bugs à sa sortie. Certains jeux, par contre, ne sont pas reportés et arrivent aux dates convenues par l'éditeur. Je vous cite un exemple simple, les geeks. Battlefield 5. Oui, j'ai abdiqué, je dis 5, je dis plus Battlefield V. Bref, Battlefield 5 doit donc sortir, à la base, le 19 octobre 2018. Eh bien, surprise, Electronic Arts vient d'annoncer le report de Battlefield 5, initialement prévu donc pour le 19 octobre 2018. Ce sera le 20 novembre 2018 que le jeu sortira finalement. Si vous vous sentez outré et ne comprenez pas pourquoi, une explication a été donnée par la chef studio d'officier d'Electronic Arts qui indique que plusieurs dizaines de milliers de joueurs se sont déjà essayés à l'expérience et ont effectué des retours précieux qui vont mener à des ajustements finaux. Le général manager du développeur DICE invoque lui les mêmes raisons, à savoir les commentaires des joueurs qui vont nécessiter des retouches, bien que des modifications sur le rythme du gameplay, la visibilité des joueurs et diminution de la fréquence des rencontres entre joueurs ont déjà été effectuées pour la bêta du mois de septembre 2018. Et étant donné que son équipe s'attend à avoir encore des retours utiles après cette bêta, il a donc été décidé de reporter Battlefield 5. Cela vous arrange-t-il les geeks au vu des mois de septembre et octobre monstrueux que vont nous offrir le monde du jeu vidéo? Je pense à des jeux comme Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey ou encore Red Dead Redemption 2. Que pensez-vous de ce report? Dites-le moi en commentaire. Battlefield 5 est donc prévu pour le 20 novembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. C'était Mike et Play Mike. Salut!